Alors qu'est-ce qu'il fait de subhanahu wa ta'ala? Il y a eu une porte du paradis sur pour toi, tu rentres par n'importe quelle porte tu veux. Allahu Akbar. On doit prendre cette invocation et la répéter après chaque ablution. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, il purifie ton cœur de l'association. Qui est le contraire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah il purifie ton cœur de quoi? De l'innovation. Qui est le contraire de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Quand tu dis Ya Allah, accorde-moi ton repentir. Allah, il te pardonne tes péchés avant. Quand tu lui dis Allah purifie-moi, Allah te purifie jusqu'à tel moment où tu es pur. Et c'est à ce moment-là qu'Allah t'autorise à rentrer par n'importe quelle porte tu veux. Quand tu prends une adresse, ça fait longtemps que tu es difficile. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il est venu à la tétise du salihat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان. ما هي ثمرات التوبة؟ أول ثمرة من ثمرات التوبة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. يا عباد تخيل يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يحبك. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين في كتابه المبين. ماذا يقول جل في علاه؟ إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين. الله أكبر. ألا تريد أن تكون ممن نزلت عليهم محبته؟ هل تستشعرون هذا القدر؟ أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والله لا نستشعر قيمة التوبة. كلنا مرضى. كلنا مرضى. إما مرض جسدي أو مرض من أمراض القلوب. ما هو الحل يا الله؟ والله إنه ذكر الله. والتوبة من الذكر. لا إله إلا الله. وسؤال، كم نتوب إلى الله ونستغفره من يوم، من مرة في اليوم؟ في مجلس سألت إخوة كم تتوب إلى الله؟ لا إله إلا الله. والله الجواب كان يدمع العين ويبكي القلب. نتوب إلى الله فقط في الصلاة. لا إله إلا الله. أتدرون لماذا وجب علينا أن نستغفر الله ونتوب إلى؟ لماذا؟ نعم الله علينا كثيرة. هل نستطيع أن نشكر الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. وجب عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه كما قال رب العزة سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة. Vous savez que il y a quelque chose de très très important que beaucoup de gens ne sentent pas. Quand tu demandes de repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que Allah est tolérant, il te donne son amour. Allahu Akbar. Et Allah choisit les gens. Le Coran il est clair. Allah il dit dans le sens du verset, Allah il aime qui? Allah il aime les gens qui se repentent, Allahu Akbar, et qui se purifient. Wallahi ya ahbab rasulillah, si on connaissait la valeur du repentir et du demande de pardon, on va le faire d'une manière régulière sans s'arrêter. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent
Que la demande du pardon et le repentir est lié à ces péchés-là. C'est pas que les péchés. La demande de pardon et le repentir est lié au bienfait que Allah t'a accordé, subhanahu wa ta'ala. Que tu ne peux pas remercier ou être reconnaissant envers lui. Allah t'a donné la santé, Abdallah. Il t'a donné la vie. Et remercie-le que tu es musulman, Abdallah. Il t'a choisi. Il t'a donné l'air que tu respires, Abdallah. Il t'a donné l'eau que tu bois. Il t'a donné les yeux. Il t'a donné les mains. Il t'a donné les pieds. Celui qui veut vraiment savoir et connaître les bienfaits d'Allah, il fait un tour dans les yeux. Tu veux reconnaître les bienfaits d'Allah envers toi, fais un tour dans les hôpitaux. Malheureusement, on ne connaît pas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher. Il y a des gens qui sont dans des traitements lourds. Et toi, alhamdulillah, tu es en bonne santé, tu désobéis à Allah, subhanahu wa ta'ala, en permanence. Wallahi, ahbab rasulillah, sabab wa najatina fi dunya wal akhirah, hiya tawbat wal istighfar. Tu veux être sauvé dans la vie de ce monde et dans le delà, tu dois demander le pardon d'Allah et te repentir régulièrement. N'attends pas de commettre les péchés pour te repentir, ya Abdallah. N'attends pas de commettre les péchés pour demander le pardon d'Allah. Allah, il mérite de lui demander le pardon et de se repentir. C'est pas avec la prière qu'on va rentrer au paradis, ahbab rasulillah. C'est pas avec quelques jours de jeûne qu'on va rentrer au paradis. Wallahi, ahbab rasulillah, tu vas rentrer au paradis avec par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah va t'accorder. Mais sois à la hauteur de cette miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc Ramadan, c'est à moi de demander de pardon et de repentir. C'est lui qui a un problème avec une personne. J'attends pas le mois de Ramadan pour lui téléphoner maintenant, ya ahbab rasulillah. Idha kana laka shahna'un ma'a akhik, abouka ou ummuk ou ukhtuk ou ammuk ou ammatuk. T'as une différence avec quelqu'un de ta famille ou avec ton frère. Tu ne peux pas commencer le mois de Ramadan avec ça, ahbab rasulillah. Vous savez que les actions lundi et jeudi, que Allah reçoit, si les personnes qui se parlent pas, Allah ne reçoit pas, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que ces personnes se parlent. Le mari va me dire, mais il m'a fait beaucoup de mal. Prends le téléphone, tu lui téléphones. Quand tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que Allah et le prophète qui t'ont enseigné à faire, et à Abdallah. Ce que lui va dire, tu t'en fous. Toi, tu veux satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu veux satisfaire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tes actes. Comment ça se fait que des gens commencent le Ramadan, ils ne parlent pas avec leur frère. Ils ne parlent pas avec son frère de sang. C'est quoi le problème? Astaghfirullah al-Azim, alladhi la ilaha illa huwa, al-hayy al-qayyum. C'est la meilleure formule de repentir. Tu demandes pardon à Allah. Tu demandes à ce qu'il t'accorde son repentir et tu le loues par les meilleurs de ses noms, subhanahu wa ta'ala. J'espère que chacun d'entre nous ne commence pas le mois de Ramadan juste comme ça. On se prépare à la fin. On s'entraîne entre nous dans le bien. Wallah, vous savez que notre vie est très très courte. Une dame, la semaine dernière, elle est en bonne santé. Lucas, elle est morte chez elle. Elle est restée 3 jours dans sa chambre. Allahu Akbar. L'ange de la mort, il ne te donne pas de rendez-vous. Ya Abdallah, préparez-vous. Ya Ahbab Rasulillah. Et le mois de Ramadan, c'est une occasion. Que peut-être l'année prochaine, on n'est pas là. Ou peut-être, d'ici la semaine prochaine, on n'est pas là. Au moins. Demande à Allah ce qu'il te donne la vie pour jeûner. Allahumma, balik lana fi sha'ban wa balighna ramadan. C'est une invocation qu'on doit répéter. Astaghfirullah al-Azim, la ilaha illa huwa, al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Avec les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Allahumma,
اللهم حقا دماء امين اللهم حقا دماء اللهم انهم لا مأوى لهم فأوهم يا رب امين يا رب اللهم انهم جوعى فأطعمهم يا الله اللهم انهم عطشى فاسقهم يا الله اللهم اشف مرضاهم يا الله اللهم ارحم امواتهم لا تنسوهم بالدعاء يا احباب رسول لا تنسوهم بالدعاء